Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite du tuto. Je sais pas en combien de parties ça va être réparti. Il va y avoir plusieurs parties. Donc voilà, c'est la nuit. On bosse encore. Il y a du boulot. Donc, on était parti sur l'étape. Donc, on a découpé tout notre noir. Maintenant, on va l'appliquer. Mais avant de l'appliquer, il y a des effets intégrés à la carrosserie. Et je vous dirai pas comment on fait. C'est bon, je déconne. Donc vous allez peut-être moins bien m'entendre. C'est normal, j'ai le masque. Il faut toujours se protéger. Et si vous entendez pas, et bien tant pis pour vous. Alors. Donc pour reprendre un petit peu les effets qu'il y avait sur les MP9, on avait des tâches à faire à l'intérieur. Donc ça va se faire donc avec du blanc. Bon, je vais pas vous faire voir, enfin je peux pas vous montrer. Puisqu'il faut avoir la place, j'ai pas la place avec la caméra. Donc je vais tremper mon tournevis dans la peinture et après je vais venir la projeter sur ma carrosserie pour donner des effets. Après, tu en rajoutes autant que tu veux, tu fais les effets que tu veux, c'est libre. C'est libre à toi, tu fais comme tu as envie. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être en rajouter un peu plus. Par là parce que là il n'y en a pas trop, ça manque un peu. Là c'est mieux quand même. Donc une fois que ça c'est fait, bon, déjà tu rebouches ta peinture. Pour éviter d'en foutre de partout, c'est au cas où tu la perds. Désolé, je te fais bouger. Tu nettoies bien tes outils, donc ça c'est ce qui me sert uniquement pour faire ce genre de choses. Donc il sert à rien d'autre en fait. Donc, voilà. Et maintenant. On va d'abord sécher la peinture parce que les gouttes, elles vont mettre plus de temps à sécher parce qu'elles sont plus épaisses. Donc il va falloir les aider. Pour ça, il faut investir énormément d'argent. Enfin, sèche-cheveux. C'est de la marque en plus, donc attention.
Donc on regarde un petit peu ce que ça donne, voir si c'est suffisant ou pas. Ce qu'on vient de sécher, ça a l'air d'être pas trop mal. Peut-être là il manque un poil. Voilà, bon. On va laisser sécher tranquille. Pendant ce temps, on va préparer la peinture. Donc, petit aérographe tout simple, comme je vous avais dit. Et on va appliquer. On va commencer par le noir. On mélange la peinture. Je sais qu'il y en a qui dévissent ici pour créer une dépression et faire en sorte que ça gargarise à l'intérieur. Pour mélanger sa peinture, moi j'évite de le faire parce que chaque fois qu'on serre et qu'on desserre, on vient abîmer le joint torique à l'intérieur. Donc voilà, je préfère boucher l'entrée et après bah, t'appuies tout doucement. Mais pas plein de gaz parce qu'autrement tu vas te prendre plein la tronche. Bon là on est trop d'air. Voilà, c'est déjà mieux. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il faut vérifier quand même que la peinture tout soit bien sec. On va remettre un petit coup de séchage.
Où est-ce qu'il est passé? Il est passé ici. Donc on va ajouter quelques petits effets tranquillou. Donc là on n'est pas trop mal. Et puis ce qu'on va mettre, on va mettre des petits effets nids d'abeilles. Donc après, ben là c'est comme tu veux, tu les places où tu as envie. C'est libre à toi et ton imagination. Qui commence à apparaître ici. On va pas trop en mettre histoire de pas trop charger, que ce soit pas après il y en a qui aimeront en mettre plein, moi j'aime pas trop abuser sur les effets, donc on y va tranquillement. Hop, un petit peu sur le capot, histoire. C'est pas facile de parler avec le masque, les amis. Je sais pas si vous m'entendez. Surtout pour reprendre ma respiration, c'est pas facile. Excusez-moi, on essaie de faire au mieux. Et puis si t'es pas content, tu vas ailleurs. Ouais, petit pétage de cap, ça m'arrive de temps en temps. Bon, ça m'arrive souvent en fait. C'est peut-être ça le problème. Ce qui explique, madame, vous avez constaté qu'elle est complètement folle. Mais bon. C'est pour ça que je l'aime et que vous l'aimez aussi. Hop, on y va tranquillement. Donc ça c'est fait. On avait oublié le blanc. Il me restait des petits pots vides, c'est parfait. Hop, ce sera pour plus tard.
D'ailleurs, vous pouvez dire un grand merci à Ced, parce que grâce à lui, on fait le tuto. Voilà, Ced, je suis désolé, ta carrosse, ça va prendre un petit peu plus de temps. Sachant qu'on on s'en sert pour faire le tuto. Donc, vous pouvez sérieusement lui dire merci, les mecs, parce que sans lui, il n'y aurait pas de tuto. On n'a pas de pistolet, pas complètement parce que bon, on va passer du noir, mais bon, pour être tranquille, moi je préfère nettoyer. Parce que là, il reste toujours du blanc à l'intérieur. Voilà. Ok, on est bon, on a préparé le noir. Donc avant toute chose, on va remettre un petit coup de... On va refaire chauffer un petit peu la carrosserie. La peinture ne s'appliquera que plus facilement, donc elle séchera plus vite. Et allez, encore un coup. Donc là, c'est parti, on commence à appliquer son noir. Donc tu vas tranquille, petite couche par petite couche. Pour éviter de faire de la daube. Mmh.
Donc on va refaire chauffer un petit peu, histoire que la première prise prenne correctement. Décidément. Et tu répètes le processus jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ah, petite pensée à toi, frérot. Je sais qu'en ce moment, tu es dans une soirée difficile. Oui, parce qu'on est samedi soir. Il y a des gens qui s'amusent. Et d'autres qui font des tutos. Il faut refaire du noir, on n'en a pas suffisamment. Ok, allez, c'est reparti. Refaire un peu de noir. Toi, on va pas casser la mouille. Putain, c'est du savé le bordel que c'est. Bon. Ne vous inquiétez pas, je m'amuse pas avec une paille. Je mélange juste la peinture, hein. J'arrive. Si j'ai envie de dire aussi, si t'es pas content, c'est pareil. Ouais, je suis énervé ce soir. Allez, on va pouvoir y retourner. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Et tu continues sur toutes tes surfaces.
Allez, on n'a plus de noir, il faut en refaire. Gibal. Et donc voilà, une fois que tu as passé ton noir, tu as tes effets qui apparaissent. Donc, Wally Wallou, déjà pour le noir. Ça fait déjà une première étape de peinture. Je vais couper la vidéo ici. De toute façon, après, je vais continuer. Il faut que je la termine pour celle. Et vous aurez les suites des autres couleurs après dans la foulée, parce qu'autrement, ça fait une vidéo beaucoup trop longue. Surtout qu'en sachant que si vous avez quelque chose à me dire ou à demander, il y aura les vidéos entre temps, donc ça laissera un laps de temps. Voilà, j'espère déjà que ça a répondu à quelques. Oui, c'est les gants. Commencez pas, hein? Donc voilà, j'espère que ça a répondu déjà. Putain, mais. Excusez-moi. Oh, j'ai envie de dire que je peux enlever le masque, ça fait du bien. Donc voilà. La transpiration. Enfin, ça, c'est. T'as l'impression d'étouffer là-dedans quand tu parles avec ça, c'est vraiment horrible.
J'espère que vous m'avez compris quand même un minimum. De toute façon, j'ai pas beaucoup parlé parce que c'était compliqué. Voilà, j'espère que déjà vous avez compris de toute façon la base. C'est la base. Après, ben, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'étape des autres couleurs. C'est là que ça devient problématique. Parce qu'à partir du moment où tu as passé ta première couleur, tu vois plus tous les autres petits traits. Donc c'est là qu'il faut faire attention et bien faire les choses correctement. Donc voilà, de toute façon, on se retrouve pour la suite, qui va être ben, pour moi immédiatement. Mais pour vous, il va y avoir un petit jour d'écart. Allez, à plus tard les mecs. Ciao.